C'est les deux, je suis désolé, je n'ai aucun moyen de vérifier si tout marche bien. Et je me suis absolument pas renseigné sur l'histoire, donc je vais commencer à lire et on va voir ce qui va se passer. Je parlais d'Isabelle Wolf quand même, c'est très important. Wolf comme waf, mais sauf qu'il y a un L. Alors que les chiens n'ont pas d'aile, bien sûr, évidemment, sinon ce serait des oiseaux. Les tribulations de Tiffany Trott. Elle trotte, Tiffany. Tiffany, c'est une amie de Minty Malone. Et elle trotte, cette fille, je ne sais pas pourquoi. Elle a des sabots à la place des pieds. Bon, enfin, si ça vous intéresse de conquérir cette jeune femme, eh bien vous pouvez m'écrire. Je puise dans mon fond de bibliothèque où viennent s'agglutiner les toiles d'araignée. Voilà. Alors, à chaque fois que je prends un livre, ça tire les toiles d'araignée. Je suis obligé de nettoyer comme ça. Au Swiffer, comme la semaine dernière, on avait un petit peu parlé des lingettes Swiffer, eh bien, on y revient ce soir. Entre parenthèses, non, cette émission n'est pas sponsorisée par Swiffer. Bon, merci pour votre contribution, je lis tout et je suis très content. Les signes de ponctuation, ça existe aussi. Ça permet au lecteur de ne pas suffoquer quand il lit des phrases. Or là, tu m'écris des trucs, il y a une virgule par-ci, une virgule par-là, mais globalement, c'est la porte ouverte à ma robe à 35 agrafes. 35 agrafes, c'est énorme. 35 agrafes, c'est vous l'imaginez. Sur D, si on avait 35 agrafes, mais alors là, il n'y aura plus de budget pour la lumière. Tout coupé, on coupe tout, on ferme boutique, voilà. Allô? Ah, c'est Hélène au téléphone. Hélène, qui m'a appelé de l'église sur son portable. Encore une à l'église, mais c'est pas possible, ils sont tous prêts à l'église. Les pivoines sont en train de faner. Oh là là, elles sont complètement flagada avec cette chaleur. Ouh là là, dit Minty. Ouh là 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 là. Des maquillages dégoulinants comme ça. Tu barbouilles et puis ça coule comme ça. Ah, c'est triste. Mais... Isabelle n'a pas osé raconter. Parce que c'est une vilaine, Isabelle, elle raconte pas tout. Elle met pas la ponctuation et elle raconte pas tout. C'est vilaine. Donc, Hélène. Elle était sur sa trottinette. Ouh. Ouais, souffle. Au moins il est très chic pour celui. Mon amour, c'est lui qui est exactement comme je le veux. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça, rien à ajouter. Bon, coup de rapide alors, je parle de la cuisine. Plus que 40 minutes, j'ai essayé d'endiguer la pique. Bon, un charabia, voilà, ça a dû être un charabia complet.
Et là, vous avez du son. Bien sûr, évidemment. Bon, écoutez, on va la refaire, hein. On va la refaire. Allez, top générique. Bonjour les amis, bienvenue sur Déliritude, je suis Cyril et je vous présente un nouveau numéro de Voyage au bout de la Déliritude. Nous sommes le samedi 12 avril avec la musique, le son, pardon, enfin la musique et le son et tout ce que vous voulez, et nous sommes en direct. Il est là le direct, voilà, il est là, je prends, il est là, il est là, paf. Alors, je recommence tout, donc je souhaite la bienvenue à R qui est sur le chat et peut-être aux autres qui vont nous rejoindre après. Il est 22h19, le temps avance, mais ce n'est pas grave, car nous sommes là jusqu'à 23h et je suis voilà, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau voyage. Alors, ce soir, vous l'avez vu, il y a eu une petite mire au début de cette émission. J'ai voulu un peu comme ça, tout d'un coup, je me suis dit pourquoi ne pas rendre hommage un peu au passé de Déliritude, bien sûr, puisque Déliritude n'a pas été créé en 2008, a été créé bien avant l'ORTF, et c'est pour ça que vous avez pu constater une belle mire en début de ce programme. Alors j'ai décidé de vous présenter comment j'ai construit cette mire, mais bien sûr je vais faire Pierre Bellemare, comment il a construit cette mire. Alors, j'ai sorti mes crayons, mes gouaches, mes brosses à dents, et j'ai construit cette mire, alors, sans prétention aucune, puisque je ne suis pas un as du dessin, mais voilà, j'ai voulu faire un truc un peu amusant, et puis voilà. Alors, j'ai commencé cette mire par la dessiner sur une feuille de papier, une vulgaire feuille de papier, A4, 80 grammes, un vulgaire machin, quoi, même pas de canson, rien du tout, de toute façon il n'y avait pas de budget pour, et j'ai dessiné ceci, voilà, oups, la belle mire, alors la belle mire rapidement, donc je me suis dit voilà, je vais un peu imiter l'ORTF avec des petits cercles, tout ça, j'ai quand même fait ça un peu à la manière graphiste, on va dire, en dessinant d'abord des lignes, des diagonales, afin de pouvoir dessiner mes petits cercles que j'ai fait à main levée, bien sûr. On est comme ça sur des, on va pas prendre la peine de prendre des compas ou je sais pas quoi d'autre. Non, à main levée, voilà, c'est tout ça comme ça. Alors j'ai commencé à dessiner donc cette mire très rapidement au crayon et au crayon très gras noir. Et ensuite, j'ai décidé de barbouiller cette mire de peinture avec une brosse à dents, ce qui donne ceci. Alors évidemment j'ai bavé partout, hein, je suis un vrai cochon, donc j'ai fait ceci avec de la peinture bleue, de toute façon ça n'avait pas d'importance que ce soit bleu, rouge ou vert, parce que de toute façon je voulais dans ma tête faire une mire en noir et blanc, donc ça n'avait pas d'importance, j'ai pris la première couleur qui venait, la plus foncée, et j'ai fait ceci à la brosse, et puis comme j'ai bavé partout, eh bien j'ai scanné mes deux feuilles avant le barbouillage. Après le barbouillage, j'ai gommé tous les petits détails là qui sont un peu moches. Et j'en ai fait une belle mire en couleur inversée. Voilà, en gommant un petit peu, voilà, ça, comme ça. Je suis allé sur Photoshop, Magic Photoshop, et j'ai inversé les couleurs. Et ce qui a donné, eh bien, notre mire finale qui est celle-ci, voilà. Notre mire, alors évidemment le petit secret de fin de production, je ne le dirai pas, comment bouger l'image comme ça, rajouter un peu de grain, un petit peu de défaut, voilà, pour faire un petit peu années 60, voilà, tout simplement j'ai fait comme ça ma petite mire. C'était la petite mire ORDF, voilà. Pendant que je préparais cette émission, avant de vous lire un livre que j'ai choisi totalement au hasard, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, eh bien j'ai décidé de rendre hommage aux mires de dés, à toutes les mires de dés, voilà. Alors je ne les ai peut-être pas toutes, mais j'en ai réuni plusieurs, j'en ai trouvé parmi les dossiers de Déliritude, sur Dropbox, sur mes archives personnelles, voilà.
j'ai décidé de, voilà, de rendre hommage à toutes les mires qui ont été diffusées sur Déliritude. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes, voilà, présentement présent, voilà, tout simplement. Alors, il y a la mire, il y avait une mire classique qu'on avait sur Déliritude. Alors, la plupart de ces mires sont signées R, hein, qui est ici présent sur le chat. Alors, voilà, je vous montre une première mire, ça s'appelait mire classique, je ne sais, voilà. Je vous montre, comme ça. Attention, non, non, paf. C'est dommage, il n'y a pas le son. Mais bah, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le son. Il y avait une musique, mais visiblement. Voilà, une mire classique Déliritude. Ensuite, eh bien, j'ai retrouvé une mire bizarre. Une mire bizarre, psychédélique, fabriquée par je ne sais pas qui. Je crois que c'était Bastien, je ne suis pas sûr. Attention, le son, c'est un peu strident. Attention, mire psychédélique. Oui, Jean-Michel, oui, merci, à tout à l'heure. Oui, c'était Jean-Michel pour dire que c'était de lui cette mire. Jean-Michel Jarre, bien sûr, évidemment. Alors, sur D, on a fait grève aussi. Ah oui, on a fait la grévitude, ah, bah, tout à fait, parce que les problèmes de salaire sur Déliritude, bah, c'est vraiment commun. Hein. Donc, on a eu notre grévitude sur D avec sa mire correspondante. Voilà. Là, j'aime bien le bandeau déroulant à la fin qui fait grève aussi, puisqu'il ralentit de plus en plus. Voilà, moi aussi, je veux m'arrêter, je ne veux plus travailler. Voilà, ça, c'est la mire de grève signée Louis, peut-être, effectivement. Et puis là, attention, des chefs-d'œuvre. Deux chefs-d'œuvre arrivent. C'était les mires été de je ne sais plus quelle année, mais R va pouvoir me confirmer ça, puisque c'est lui qui est l'auteur de ces deux mires. Alors, je vous les montrer. Il y a la mire jour et mire nuit. C'était
petits nuages qui volent comme ça. C'était très très beau, très fin, très doux, voilà. Et on pouvait s'endormir avec délire, oui, dans les nuages, voilà. Donc c'était des très sympathiques. 2009, voilà. Merci, merci Valentin. Alors il y avait aussi une mire spéciale Coldplay avec la chanson See You Soon. Je crois que c'était diffusé le soir surtout. Voilà. You lost your trust, and you never should have. No, you never should have. But don't break your back if you ever hear this. Well, don't answer that. 'Cause in a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, and I'll see you soon. And in a telescope lens, and when all he wants friends, I'll see you soon. Voilà, très belle mire aussi, hein, dédiée à tous les amoureux de Coldplay, bien sûr. Oui, tout à fait, comme moi. Oui, moi. Et puis, je peux vous montrer encore deux mires, qui sont des mires spéciales anniversaire, puisque nous avions, eh bien, fêté l'anniversaire de Bastien. Et encore une bougie soufflée, encore une année passée, encore une bougie soufflée, encore une année passée. Voilà, bah oui, on a fait ça, mais tout à fait, mais absolument, on a tout fait sur Délire et Étude, tout. On a tout fait, les amis, on a tout fait. Et puis, il y avait une mire aussi spéciale pour Caput. Voilà, bah, c'est tout. Voilà, quelques mires prouvant, enfin montrant le passé de Déliritude, le formidable passé de Déliritude. Nous existons depuis maintenant 2008, juillet 2008, et nous allons bientôt d'ailleurs fêter notre anniversaire en juillet prochain. Il faudra être là. On fera peut-être une émission spéciale, je l'espère en tout cas. Voilà, bah maintenant on va peut-être passer au principe de base de cette émission, c'est-à-dire lire un livre, bien sûr. Ça promet pour la lecture en tout cas. Alors ce soir, j'ai choisi totalement au hasard, à l'aveugle, comme ça, à l'aveugle. Ceci. Maurice Leblanc, la vie extravagante de Balthazar. Oh, Balthazar, bah oui, c'est un monsieur qui a une vie extravagante. Ah, c'est pour ça que je vais vous la conter ce soir sur Delgritude, bien sûr. Alors voilà.
Donc, je vais commencer. Est-ce que R connaît la vie extravagante de Balthazar? Connais-tu? Connais-tu cette vie extravagante, cette passion émotionnelle? Ah, ben, voilà. Est-ce que vous connaissez? Vous devez dire que non, et eh bien tant mieux, ça me permet de ne pas faire de gaffe puisque vous ne connaissez pas, eh bien je vais pouvoir me lancer comme ça dans le vide sans risquer de commettre un impair. Voilà, un impair. Alors, Maurice Leblanc, La vie extravagante de Balthazar, collection Livre de poche. Chapitre 1. Serait-ce l'un des rois mages? Et peut-être, je ne sais pas. On va le découvrir dans peut-être les premières pages, je ne sais pas. Alors la dernière fois que j'avais dit que les prochaines fois, je commencerai par la fin des livres. Bon, finalement, on va le faire traditionnel, quoi. On va commencer par le début, puis on va faire comme ça. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ouais. C'est mieux, c'est plus compréhensible quand même. Bah oui, parce que les livres sont écrits comme ça, pour être comprend, enfin pour être dans le l'ordre des choses. Voilà. Chapitre 1. Le héros d'un roman n'est pas toujours un héros. Alors ça, vous nous lancez une bombe de littérature. Le héros d'un roman n'est pas toujours un héros. Nous allons le savoir, peut-être pourquoi. Alors, Maurice Leblanc nous donne comme ça une bombe nucléaire. Le héros d'un roman n'est pas toujours un héros. Et pourquoi? Pourquoi? Alors, il faut y réfléchir. Et on va lire la suite. Voilà. Ainsi, mon petit monsieur, vous avez pu croire que moi, Charles Rondeau, commerçant honorable et connu comme tel dans le quartier des Batignolles, j'accorderai la main de ma fille à un homme qui n'a pas de père. Le haut du corps agressif, les bras croisés et projetés en avant de la poitrine, la figure écarlate, les sourcils en bataille ainsi que les crocs de la moustache, le buste trop lourd pour les jambes fluettes, Charles Rondeau aurait dû logiquement perdre l'équilibre et s'écrouler sur le malheureux prétendant dont l'audace le gonflait d'indignation. Commence à faire chaud là avec les lumières. Comme d'habitude, ça chauffe. Et Balthazar se rendit compte qu'il faisait chaud. Ah non, c'est pas ça. Alors Balthazar s'en rendit compte avec effroi. Que ça le gonflait d'indignation. L'autre. Enfin voilà, Balthazar. Alors Balthazar entre en scène. Assis du bout des fesses à l'extrême bord d'une chaise, il se faisait tout petit devant la menace, rentrait son cou dans son faux col. Ça me fait penser à un livre, ça, le col et le cou. Un haut cou, ça me fait penser aux exercices de style de Raymond Queneau. D'ailleurs, un jour, je vous lirai ça, les exercices de style de Raymond Queneau. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Valentin. Voilà, c'est la deuxième question que je vous pose ce soir. Très, très culturelle, très littérature. Je vous demandais si vous connaissiez Balthazar, et maintenant, je vous demande si vous connaissez les exercices de style de Raymond Queneau. Alors, c'est un livre fantastique, j'adore. Je l'ai lu la première fois à l'école primaire ou au collège. Et j'avais eu un vrai coup de cœur en fait pour ce livre, je trouvais ça très sympa. C'est. Oui, Queneau, voilà, Raymond de son prénom. Et ça rime en plus, donc c'est formidable. C'est culte, évidemment. Tout le monde connaît les exercices de style. On part d'une histoire écrite de manière. Voilà, roman, enfin récit. Et au fur et à mesure, on la décline au fil des pages, eh bien. Sous plusieurs styles, voilà. C'est très intéressant. Voilà. La semaine prochaine, exercice de tir et mon Conan, on va bien s'amuser. Bon, bien s'amuser. Bon, bien se de la poire. Voilà. Voilà, le long col, le long cou, le bouton, le par-dessus, le bus. Le bus, il me marche sur les pieds, celui-là, il ne s'excuse pas. Et je le recroise un peu plus loin, plus tard. Voilà. Bah, c'est le même. qui parlait à l'autre pour lui dire tu devrais réajuster, etc. Je ne sais plus quoi, mais enfin bref. Il faut que je le relise. Et après, je vous le relirai. Voilà. Clac. Il se faisait tout petit, devant la menace, rentrer son cou dans son faux col, cacher son unique gant jaune beurre dans son chapeau haut de forme. Ah, le chapeau haut de forme, vous voyez, on revient aux exercices de style de Raymond Queneau. Et son chapeau sous le pan
d'une redingote noire dont les mythes n'avaient pas dédaigné le drap luisant. D'aspect chétif, les genoux et les coudes pointus, Balthazar était mince et pâle. Tout mince et tout pâle, comme ça. Une espèce d'asperge pâle. Vous voyez, pas verte, mais pâle. Comme ça. Une asperge, c'est vert, comme le t-shirt, là, vert, mais pâle, vert pâle. Vous voyez, c'est-à-dire que vous plongez des asperges dans une casserole pendant plusieurs jours, elles vont devenir très très pâles, très... Ou alors non, elles vont foncer, je ne sais pas. On va faire une expérience. Ce soir, je vais prendre une asperge. Après avoir fait cette émission, je vais prendre une asperge puisqu'il ne faut pas gâcher quand même la nourriture. Je vais la mettre dans une casserole pleine d'eau et je vais attendre une semaine que ça croupisse. Et samedi prochain, eh bien, je vous montrerai la photo au bout d'une semaine de croupissement de l'asperge dans l'eau. Et je vous dirai si elle sera devenue pâle ou foncée. Voilà. Expérience un peu à la « c'est pas sorcier »,« Jamy, regarde ». Oui, Fred, regarde bien. Voilà. Et bon appétit, bien sûr. Vous pourrez faire une dégustation, bien sûr, de l'asperge pourrie. Voilà. En tout cas, Balthazar était mince et pâle. Son menton et ses joues s'ornaient d'une toison molle et soyeuse, comme des cheveux, tandis que son crâne portait une végétation courte et drue, comme les poils d'une barbe clairsemée. Le nez était large et sensuel. Un nez d'homme gras. Les yeux... Un nez d'homme gras. Alors, il a un nez d'homme gras, mais il est maigre. Alors ça, il va falloir m'expliquer. Premier contresens. Premier contresens, Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Hein ? Dès la deuxième page, la page 8, puisque on est déjà à la page 8, premier contresens. Il ne peut pas être à la fois maigre et gras. Il va falloir m'expliquer, quand même. Non, mais je cherche une explication à ce nez d'homme gras et sensuel. Voilà, je cherche une explication. J'attends Maurice, appelle-moi. Appelle-moi Maurice. J'attends. Ah oui, j'attends. Non mais c'est vrai, quoi. Voilà. Alors Maurice, tu peux m'appeler au 06 64 17 12 96. Appelle-moi. Appelle-moi Maurice. J'attends, j'ai beaucoup de patience. J'ai énormément de patience, je peux vous le dire. Ah oui. Absolument. Hein ? Comment ? Comment ? Oui, très bien, merci. Alors, on me dit que Maurice est mort en 1941, donc il ne pourra pas m'appeler. Voilà, donc on va continuer cette histoire de Balthazar. Donc c'était un homme maigre et gras. Hein, débrouillez-vous avec ça, allez chercher où c'est, et puis voilà. Essayant de plaisanter, mais moi je ne plaisante pas du tout, hein, je trouve ça pas drôle hein, de faire des contresens pareils hein, quand même. Non, je trouve pas ça drôle. Alors lui il essayait de plaisanter, mais moi je ne plaisante plus du tout, alors là je trouve ça très sérieux tout d'un coup. Je suis froid comme un beignet. Un beignet froid. Voilà. Absolument. Bah, bien sûr, évidemment. Alors il essayait de plaisanter, il insinua timidement, tout enfant suppose un père, cher monsieur. Tout enfant suppose un père. Eh bien oui, mais oui, évidemment. Alors, au début, un contresens, et maintenant une vérité, mais alors là, nièce comme pas possible, tout enfant suppose un père. Oui, ah bah oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, on fait pas encore les enfants dans les verres d'eau, hein, bien sûr. Il faut quand même une personne, deux personnes même. Hein, deux fois deux égale trois. Parce qu'il y en a... trois, si c'est un enfant. Mais si ce sont des jumeaux, deux fois deux égale quatre. Bah oui. Et si ce sont des triplés, bah, vous savez faire la multiplication, bien sûr. Et autant de spermatozoïdes, bien sûr. On capte... Quoi ? On capte mal oui. On ne fait pas encore... Oui, ben c'est de moi. Voilà. bien sûr, bah évidemment. Alors, on ne fait pas des enfants dans les verres d'eau. Pas encore, en tout cas. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Voilà. On ne l'a pas encore fait, mais on peut peut-être le faire un jour, si on y réfléchit bien, si on travaille là-dessus, on peut peut-être y arriver. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Non, pas du tout.
Alors, tout enfant suppose un père, cher monsieur. Et l'autre lui répond. Un enfant qui n'a pas de nom n'a pas de père, jeune homme. Rugit Charles Rondeau. Et quand on n'a ni père, ni état civil, ni situation sociale, ni domicile avouable, on ne cherche pas à capter la confiance d'un honorable commerçant. Voyons. Garde à vous. Pas de domicile, s'écria Balthazar, qui se rebiffait. Et la villa des Danaïdes. Pas de situation, et mon poste de professeur. Pas de domicile ? Non, non, ça j'ai déjà lu, pardon. Et la colère de l'honorable commerçant tomba d'un coup pour faire place à une hilarité qui lui secouait le ventre. La villa des Danaïdes, monsieur Balthazar, professeur, alors parlons-en ! Le rire ne seyait pas à un entretien de ce genre. Charles Rondeau se contint. Armé d'une gravité soudaine et gardant un silence que Balthazar n'aurait pas aimé rompre, il mesura d'un pas réfléchi la pièce qui lui servait de bureau particulier en arrière de ses magasins. Lorsque son discours fut prêt, il se planta devant Balthazar et prononça en manière de préambule. « Il y a 2 mois, jeune homme, que vous avez rencontré ma fille Yolande. » « Yolande ? » « On connaît bien Yolande. » « Bah, Yolande Moreau, bien sûr, évidemment. » « Des déchiens. » Bah, il n'y a que elle qui s'appelle Yolande. Donc c'est elle. Au cours de demoiselles où vous professez la philosophie quotidienne, ma fille, mordant, comme elle dit, à cette branche de l'éducation moderne, mais n'ayant pas saisi un traître mot de vos conférences, abandonna le cours et vous fit demander des répétitions particulières. Elles eurent lieu chez nous et vous donnèrent l'occasion de si bien prendre pied dans la maison, de vous insinuer si adroitement dans les bonnes grâces de votre élève, qu'un beau jour, il y a de ça une semaine, elle faisait allusion devant moi à un certain projet de mariage. Ouh, il y a du mariage dans l'air. Alors là, c'est comme Minty Malone la semaine dernière, le mariage, qui elle cherchait son diadème. C'était le mariage dans 2 minutes, c'était une catastrophe. Alors, on va pas retourner là-dedans, quand même. Non, on ne va pas retourner là-dedans, ce n'est pas possible. Je ne veux pas de mariage, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je ne veux pas. Balthazar eût pu interrompre Charles Rondeau et objecter qu'il n'aurait jamais levé les yeux sur Mademoiselle Rondeau. Jamais, 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 jamais. Non, c'est pas écrit jamais, jamais, jamais. C'est moi qui brode, bien sûr, évidemment. Si elle ne lui avait elle-même à brûle-pourpoint, déclarer une flamme autant plus inattendue qu'il ne se croyait ni les qualités ni le physique d'un séducteur. Mais Charles Rondeau reprenait déjà. Un mariage entre ma fille et vous. Évidemment, Yolande a subi une de ces crises qui jettent les jeunes filles les plus adroites à la tête du premier imbécile qui passe. Ah, donc on apprend que Balthazar est un imbécile, selon le père de Yolande. Ah, bah oui, c'est un imbécile, absolument. C'est une enfant un peu exaltée, trop assidue aux matinées de la comédie française, et qui elle-même fait, entre guillemets, de la poésie, donc simple toccade de sa part, et dont j'aurais pu ne pas me soucier. N'importe. Une heure après, je m'adressais à l'agence de renseignement XYZ. Qui étiez-vous? D'où sortiez-vous? Quel moyen d'existence? Et XYZ a poursuivi son enquête. Voilà la réponse, monsieur. Du revers de ses doigts, Charles Rondeau frappait sur une lettre dépliée et regardait Balthazar avec l'œil sévère du juge d'inscription qui ouvre devant le prévenu un dossier tout craquant de preuves. Le prévenu n'en menait pas d'arge. Il faut que je m'entraîne à lire quand même, ouais, parce que cette émission est basée sur la lecture et je lis vraiment comme un flan, quoi. Un petit flambé. Voilà. Ah, hommage à Flambé. Et le juge d'instruction commença. Alors, le sieur Balthazar, une bourrezion de suspicion, là il devient sarcastique. Ah bien, le juge d'instruction. Non, c'était pas possible, je ne peux plus lire comme ça, je suis fatigué, je vais me reposer 2 minutes. Oui, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes.
Je suis reposé, je souffle un peu, je souffle un peu. Et Paris Première, absolument. Alors je me suis dit, en faisant cette petite interlude, pourquoi Paris Première? Vous allez me dire, c'est en rapport plus avec Paris, que Voyage au bout de la déléritude. Sauf que, dans cette musique, il y a des bruits de métro qui agrémentent la musique. Et je me suis dit, Voyage au bout de la déléritude, on y va en avion et on peut y aller en métro. Voilà, donc voilà, je recolle les bouts. Voilà, tout simplement, je me justifie. Alors je reprends le livre de la vie extravagante de Balthazar. Voilà, Balthazar, qui était avec le juge d'instruction. Ah bah absolument. Bah oui. Le sieur Balthazar, une pose lourde de suspicion, l'œil devient sarcastique. Appelle-t-on sieur un homme qui n'a rien sur la conscience ? Le sieur Balthazar habite, si j'ose m'exprimer ainsi, par derrière la butte Montmartre, à Montmartre, et au-delà des fortifications, dans un terrain où grouillent des cahutes et des cambuses de chiffonniers, et que l'on appelle la cité des baraques, la villa des Danaïdes, à laquelle on accède par un ruisseau de boue et de détritus, se compose d'un petit enclos, de deux arbres morts et d'un vaste tonneau qui sert de chambre à coucher, de salon et de cuisine. Sur la barrière, on lit « Balthazar, professeur ». Professeur de quoi ? De tout et de rien, pourrait-on dire. Précision, professeur de philosophie quotidienne pour demoiselles, de tango pour dames mûres, et de prononciation française pour étrangers. Professeur de dégustation dans un bouchon de Montmartre, professeur de billard et de culottage de pipe à Blignancourt. Ces divers métiers ne lui rapportent pas grand-chose, ce qui ne l'empêche pas de s'offrir les services de la nommée coloquinte, petite orpheline qui fait le ménage de quelques chiffonniers, et notamment nettoie, éponge, astique, fourbit la villa des Danaïdes. En dehors de cette coloquinte, qu'il intitule sa dactylographe, et de Monsieur Vaillant du Four, un vieil ivrogne dont la villa est contiguë à sa villa, le sieur Balthazar entretient des relations cordiales avec tous ses voisins et ne se gêne pas pour leur faire à l'occasion des confidences. « Un enfant trouvé, dit-il, voilà ce que je suis, trouvé par moi-même, un matin de décembre sur une grande route et qui, depuis, a mangé comme il a pu et s'est élevé comme il a pu. » Des papiers, des actes de naissance, des noms de famille, une mère, un père, bilvesé, il s'en passe comme de chaussettes et de chemises. Le sieur Balthazar s'est peut-être passé de chemises et de chaussettes. Il ne s'en passe pas plus. Il fait même empeser ses faux cols, vide des flocons d'odeur, fume des cigares de luxe et glisse parfois sans sou à des voisins dans l'embarras. Comment expliquer de telles prodigalités ? Prodigalité. Alors, un mot compliqué. Attention, on s'arrête deux secondes. Prodigalité. Eh bien, je vais chercher sur Internet prodigalité, la définition d'une prodigalité. Je vais ouvrir mon navigateur. Oh, je ne me vois plus à l'image. Je ne me vois plus. J'ai peur. Prodigalité. Hop. Prodiguer. Ça vient de prodiguer. Voilà. Prodigalité. Voilà. Définition de prodigalité. Voilà. Je vais lire le dictionnaire. Ah, je lis toujours. Je suis toujours sur le thème de l'émission. Voilà. Prodigalité. Caractère de quelqu'un de prodigue. Propension à la dépense. Sa prodigalité finira par le ruiner. Acte qui révèle ce caractère. Voilà. Présence très importante, excessive de quelque chose. Dans le littéraire, la prodigalité d'un ensemble baroque. Absolument. Voilà. Pardon. J'aurais dû couper le son. Voilà, prodigalité. Nous avons poursuivi une recherche jusqu'à la dernière limite et à travers les potins et les exagérations, fini par démêler certains faits corroborés par les preuves les plus certaines et dont il est assez étrange. Et dont il est assez étrange que la justice n'ait pas été. N'ait même pas été saisie. Le teneur de la photocopieuse, le photocopieuse, la photocopieuse, la photocopieuse, la photocopieuse, la photocopieuse, le teneur de la photocopieuse, la photocopieuse, la photocopieuse. Je fais travailler mon blablabla.
Le tonneur de la photocopieuse est en panne. 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 Blablabla. Il est assez étrange que la justice n'ait même pas été saisie. Même pas. Notre rôle se bornant à vous renseigner, nous le ferons sans commentaire et en quelques lignes. Où nous vous prions de trouver la conclusion de notre minutieuse enquête. C'est lamentable, je lis très très mal, je suis très énervé. Oui, tout à fait, oui. Alors voilà, il faut que je m'entraîne. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, tous les soirs, pendant 10 minutes, eh bien, je m'entraînerai à lire, puisque c'est une catastrophe. Et en même temps, je vais peut-être décider de faire cette émission le matin, c'est-à-dire quand je serai moins fatigué, bien sûr, parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à lire de manière catastrophique comme ça. I can't, t'as pas ses balles, bien sûr. Voilà, en tout cas, Maurice Leblanc, La vie extravagante de Balthazar, en livre de poche. Je vous invite à découvrir la suite, ça a l'air quand même sympa. Voilà, ça m'a l'air sympathique, bien sûr, voilà, tout à fait. Voilà. Il est 22h55, il n'est pas encore 23h. Alors, j'ai fini la lecture de ces quelques pages, de ces deux pages. Que dire d'autre? Eh bien, je ne sais pas. Je vais me cacher de honte. Voilà, parce que j'ai honte de tout. Voilà, je me cache. Non, parce que bon, c'est lamentable quand même. Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas. Voilà, je me cache. Je me cache. Voilà. Voilà. Ça ne tient pas, bien sûr. C'est le masque de The Mask. Presque. Je vais me transformer en homme vert. Avec une bouche énorme. Et je vais crier Splendid! Piquante, Pergaz! Voilà, comme ça on ne me voit pas du tout. C'est très très bien. Voilà. Le penseur de Rodin. Juste ciel! Oh. Je me gratte les sourcils. Voilà, je me gratte la tête. Voilà. Il faut bien justifier que le masque ne tient pas tout seul quand même. Hein. Donc voilà. Ah. Je peux peut-être faire un nœud comme ça. Ah, dans les yeux, quelle horreur! Voilà. Aïe aïe aïe! Ma tête tourne. C'est légèrement flippant, oui, tout à fait, absolument. Je me rappelle que Bastien avait fait une mire comme ça. Une mire de d'Arte. Avec un masque affreux de petits monstres, de petits diables. Il s'approchait comme ça avec la musique de d'Arte. Regardez mes yeux, on voit mes yeux derrière, ça fait peur. C'est un remake de Il est revenu, de Stephen King. Je serai le prochain clown. Il fait très chaud dans ce masque. Voilà. J'essaie de meubler 3 minutes, comme ça. Allô? Allô? Je vais me prendre en photo comme ça. Je vais me prendre en photo, voilà. Ah, avec une seule main, c'est pas facile avec les smartphones des temps modernes. Avec une seule main, voilà, comme ça, je vais me prendre en photo. Comme ça. En même temps, je commence à transpirer tellement du visage que ça tient tout seul. Voilà, oh, que je suis beau. Attention. Horreur.
Oh, évidemment, ça ne se voit pas parce que il y a un fond bleu. Ah. Oh, commence à faire chaud là-dedans. Selfie. Oh non, oh non, oh non, oh non. Non, monsieur R, non, non. N'utilisons pas des mots anglais comme ça à la mode, à la mode. À la mode de chez nous. Non, oh non, oh non. Non, on ne va pas parler de selfie. Je n'aime pas ces mots-là, la mode. C'est tellement commun. Allons plus loin quand même que les banalités médiatiques que l'on veut nous faire gober. Gober comme ça pour nous occuper l'esprit. Pendant qu'à Marseille, eh bien, il se passe des choses bizarres. Voilà, mais on occupe le pulp. Le pulp. On occupe le pulp avec des nabalités absolument amossantes, bien sûr. Et ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, je vais faire un nœud quand même. Oui, je reconstitue mon masque. Alors, ce masque a une histoire parce qu'en fait, c'est un voisin. C'est un jeune garçon, en fait, qui a 4-5 ans, qui l'a fait tomber par la fenêtre. Et c'est tombé sur mon balcon. Et je l'ai récupéré. Voilà. Alors, je me suis dit, est-ce que je lui redonne ou est-ce que je le garde pour moi? Eh bien, je ne lui ai pas redonné. Je suis vraiment vilain. Oui, je suis très vilain. Oui, bah, c'est pas vilain. Aïe. Voilà, ça tient tout seul. Ouh, qu'il est vilain. Ouh, qu'il est vilain. Non, c'est vrai que ça fait vraiment peur. Hein. Je comprends qu'il l'ait balancé par-dessus bas parce que c'est vraiment flippant. C'est très peur. Et comme ça fait encore plus peur comme ça. Ah. Ça, si, ça fait encore plus peur comme ça, tout en blanc. Voilà. À Marseille, c'est de ça que je parlais d'ailleurs. C'est ce dont je. C'est ce que j'évoquais. Ce qui se passe à Marseille, c'est la fermeture de la boutique Plus belle la vie. Bah oui, c'est ça qui se passe. Alors, la boutique ferme et on nous occupe, nous, pauvres de nous, avec selfie et autres lamas qui se baladent dans les bus, dans les tramways. Voilà. Bah oui, bah c'est ça, c'est ça. Pendant qu'à Marseille, la boutique Plus belle la vie a fermé. Fermé, vous m'entendez? Fermé, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Et c'est terrible. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Le drame complet. Bah oui, c'est ça. Bah écoutez, bon, enfin. En même temps. La boutique Plus belle la vie a fermé. Je vous l'annonce comme ça. Voilà, c'est une nouvelle. C'est pour laisser place à une boutique Déliritude. Oh, génial, super. Voilà, c'est génial. Bah oui, c'est super. Vraiment, top. Bon, en attendant, je suis très fatigué, je suis désolé, cette émission était encore pire que la précédente, c'est toujours pire que la précédente, toujours pire, je ne sais pas jusqu'où je vais aller vers la nullité absolue, mais il est temps de rendre l'antenne, oui, il est temps, parce qu'il est 23h02, j'ai déjà dépassé le temps limite absolue, et il faut aller faire dodo. Je dois vous avouer que mon lit me fait rêver, là, actuellement, oui, je vais me sauter sur mon lit. Bon, je vais quand même dire au revoir poliment, bien sûr, sur le chat, parce que je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un voleuritude, mais j'ai très très envie d'aller dormir. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, attendez, ne quittez pas, je vais juste regarder quelque chose et je reviens. À tout de suite.
Non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini, je suis toujours là. Voilà. Je vais quand même, avant de partir, vous montrer une petite DeLorean parce que ce soir nous avons fait un bond dans le temps. Voilà. Une petite mire, des petits souvenirs de dé. La semaine prochaine, il y aura autre chose. Je ne sais pas. Je vais chercher toute la semaine pour chercher. Je suis en vacances. Je suis en vacances. En vacances. En vacances. C'est génial. Donc j'ai tout le temps de réfléchir à ce que je vais pouvoir vous trouver. Excusez-moi, j'ai un bonbon dans la bouche. Je mange mes dents, hein, c'est pas grave. Un petit peu de vitamine C. Pour finir les 2 minutes. L'objet de la fin, voilà. Ah, pas mal. Pas mal, Valentin. Je vais peut-être instituer cette rubrique. L'objet de la fin, voilà. Une DeLorean, c'est dommage. Parce qu'elle est, elle a ses... ses contours, enfin, c'est pas des contours, mais c'est les circuits qui sont bleus. Malheureusement, comme je suis sur fond bleu, eh bien, c'est noir. Voilà. C'est dommage. Voilà. DeLorean, symbole du voyage dans le temps. Et sur ce, je vais vous quitter. Nous allons refaire un bond dans le passé avec la mire qui va réapparaître. Et je vous souhaite une très belle nuit. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Vous retrouverez ce programme sur la page Facebook de Déliritude en lien YouTube. Demain, je pense que je posterai ça demain matin ou cette nuit. D'ailleurs, je peux le poster cette nuit, comme ça travaillera toute la nuit. Hop, ça s'enverra la nuit. Et demain matin, ce sera tout frais. Voilà, tout simplement. Bien, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Et gardez l'esprit des. L'esprit des, l'esprit des, l'esprit des, l'esprit des, l'esprit des, l'esprit des. La 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 la